Sur la route des marrons, au joli mois des châtaignes, nous allions, Simon et moi, cueillir des noix. Il faisait déjà frisquet, Simon crisait comme un voyou. On avait dit qu'on se grouillait, lui voulait marcher dans la boue. Les noix étaient plutôt petites et il n'en restait plus beaucoup. Mais quelques noix pour pas un sou, c'est déjà ça. Ramassons vite sur son tracteur un paysan, suivi par 100 oiseaux tout blancs, au loin s'occuper de ses choux. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ils font sur nous un tracteur qui taille du 40. C'est pire qu'un tank, qu'une avalanche. Moi je soulève Simon de terre, affolé comme une vraie mère. Voilà, vous maraudez mes noix, messieurs, une petite par-ci par-là. Le terrain et l'arbre sont à moi, messieurs, vous les ramassez pas. Y'a pas de ramasse-pas qui tienne, et puis ça ne vous regarde pas. Ces noix, madame, m'appartiennent, c'est pas à vous, c'est tout à moi. Je les ramasse si je veux, d'abord de quoi vous vous mêlez. Je suis le patron ici, circulez. Bel exemple pour votre miteux. Voilà le miteux qui se libère, qui se met à gueuler comme un fou, aussi fort que le propriétaire, qui lui gueulait normalement.